Et salut à toutes et à tous les amis, et on se retrouve aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne YouTube, chaîne secondaire à Pop Culture Land. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent, je suis développeur web, je suis aussi un geek patenté, un fan de bonne cuisine française, et quelqu'un qui a suffisamment de choses à dire, je l'espère intéressantes, pour ouvrir une seconde des chaînes YouTube. Donc, et autant commencer par un vlog. Alors, la première chaîne, donc Pop Culture Land, va continuer d'exister. Simplement, c'est vrai que comme elle est relativement dédiée aux jeux vidéo, au cinéma, et à d'autres domaines qui arriveront une fois que j'aurai un petit peu plus le temps de développer des concepts. Ça n'empêche que pour parler de bonne cuisine, c'est pas forcément le meilleur endroit. Pour parler de sujets sociétaux non plus, et pour parler de lifestyle encore moins, quoique. Donc du coup, j'ai décidé d'ouvrir cette seconde chaîne YouTube. Alors comme vous pouvez le voir avec les moyens du bord, c'est extrêmement mal cadré, avec une qualité assez mauvaise, mais avec le temps et avec votre soutien, j'espère que ça évoluera. Et donc aujourd'hui, eh bien, quitte à commencer, autant commencer par un vlog. Alors un vlog, il y en aura à peu près, je dirais au moins un par mois, minimum, enfin, c'est le rythme que je compte tenir, et après bah, il y en aura plus selon les envies. Ça couvrira pas mal de sujets, et aujourd'hui eh bien je cumule. On va parler à bouffe, bonne bouffe, on va parler un peu de tourisme, parce que je vais en profiter pour vous faire découvrir ma belle ville de Rennes dans laquelle je suis arrivé il y a maintenant plusieurs mois, et ça va être l'occasion aussi de tourner en même temps une autre vidéo pour la chaîne justement Pop Culture Land, puisque en gros aujourd'hui je vais découvrir un bon resto rennais, et ensuite je vais filer assez rapidement, je l'espère, à la projection de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, pour laquelle je vous ferai très certainement une vidéo critique sur la chaîne Pop Culture Land, et puis peut-être deux ou trois bonus, on verra selon le temps qu'il fera, parce que là pour l'instant c'est pas forcément ouf. Et puis bienvenue sur cette nouvelle chaîne, et on part tout de suite à la découverte de Rennes et de ses restaurants. Je vous dis à tout de suite. You see, stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording. Sainte-Anne, les amis, avec la magnifique cathédrale, et c'est une place hyper vivante avec beaucoup d'animation. Je vous ferai probablement quelques petites vidéos bonus, mais pour l'instant je vais ici à la crêperie Sainte-Anne. We'll be right back.
Bon, les amis, c'est un peu le speed parce que je viens de sortir du resto. Bon, j'avoue, j'ai été un petit peu déçu, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo, parce que là, du coup, je vais être à court de temps. Quoique, pour arriver à l'heure à Doctor Strange, donc je chope le métro rapidement et puis on se retrouve à la sortie de métro pour vous présenter un petit peu rapidement le cinéma Le Gaumont-Rennes avec la salle Dolby Vision. Ça y est, posé tranquille pour découvrir le nouveau Doctor Strange. Donc pour l'instant, on peut dire qu'il y ait grand monde dans la salle, mais du coup, je suis paré. Tout est ok. Et puis, ben, on se retrouve à la fin de la séance pour ma critique. Bon, et bien les amis, je sors de la projection de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Et bien je dois dire que moi qui n'étais pas du tout conquis à l'idée de ce film, j'ai été bien cueilli, j'ai été assez surpris.
Et honnêtement, je vais faire une critique que je ne m'attendais pas à faire. Enfin, je pensais que le film allait se ramasser, que ça allait être chiant au possible. Et puis ben, finalement, j'ai été déçu sur quelques points pour lesquels je ne m'attendais pas forcément à être déçu. Et j'ai été agréablement surpris sur des points pour lesquels je ne m'attendais pas à être surpris. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer un petit peu la déambulation dans Rennes. Je vais vous montrer un coin que j'aime bien et qui devrait vous enchanter si vous êtes un fan de bonnes adresses pour gourmands. Donc c'est pas très loin en plus d'ici, il y a encore un tout petit peu de chemin à faire. Je vous emmène jusqu'à la maison Coupelle. On arrive juste à côté de la maison Coupelle. Juste, on va traverser, hop,
voilà les amis, on se retrouve tout de suite. Eh bien les amis, je sors de chez la maison Coupel. Alors pour vous resituer un petit peu, de qui on parle? On parle d'une boulangerie, pâtisserie installée sur Rennes depuis maintenant pas mal d'années et qui remporte quasiment chaque année des trophées, que ce soit pour la pâtisserie, pour la boulangerie. Et puis, au-delà des trophées, alors ceux qui me connaissent savent ce que je pense des coupes et autres récompenses. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand vous êtes sur Rennes ou même plus globalement à l'échelle de la région, que vous demandez en Ille-et-Vilaine une bonne boulangerie-pâtisserie de haute qualité pour pas cher, c'est toujours Coupel qui ressort dans les premiers, et dans ce joli petit paquet, et ben je m'en sors avec un éclair vanille, donc totalement fait maison bien sûr, avec un pain de campagne comme je pensais pas pouvoir en trouver ailleurs que chez moi dans ma campagne, coucou l'Auvergne, et avec en plus de ça deux pains au chocolat qui m'ont l'air extrêmement délicieux. Je n'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez WEM pour déguster un petit peu tout ça. Le tout m'a coûté moins de 8 euros. C'est pour une ville comme Rennes, et en plus pour une boulangerie-pâtisserie de ce niveau-là de qualité, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus cher. Je m'attendais plutôt à payer aux alentours des 10 euros, quelque chose comme ça, parce qu'il y a vraiment un pain de campagne qui est mastoc, qui est du jour, tout est du jour. Voilà, j'ai demandé. Vous trouverez des petites images d'illustration qui vont vous donner faim. Donc tout ça c'est bien cool. Et puis ben maintenant, vu que j'ai quasiment fini de vous montrer ce que j'avais à vous montrer, et bien retour sur Saint-Herblon si j'arrive à rattraper le métro qui est en dessous, qui est au sous-sol de la gare de Rennes. Gare de Rennes que je vais peut-être vous montrer en fait, ou peut-être pas, je sais pas, ou peut-être dans une autre vidéo, vous verrez bien, il va falloir rester jusqu'au bout, à tout de suite. Du coup ça va être un peu un vie ma vie, parce que je passe mon temps sur les réseaux à dire à quel point c'est chiant de venir sur Rennes quand on habite à Saint-Herblon. Comme ça vous allez voir le pourquoi du comment, parce que j'attends toujours le métro. Et il est 17h01 et je prends le métro qui va me ramener vers l'arrêt de bus qui lui me ramènera vers chez moi. Donc on se retrouve à l'arrêt de bus. Il est donc 17h09, j'arrive, je sors de la station de métro. On avait déjà vu ce matin qui est la station Triangle. Et je me rends à l'arrêt de bus. On va voir un petit peu combien de temps d'attente il y a. L'idée, c'est aussi de ne pas se faire écraser. Alors a priori il y a un quart d'heure d'attente, donc ça devrait nous amener à 23-24 départ d'ici, donc on va se retrouver un petit peu plus loin sur le chemin. Bon les amis, il est 21-22, 17h22 au moment où je commence à tourner
ce plan, le bus ne devrait pas tarder d'arriver d'ici 2 ou 3 minutes. Après, il y en a encore pour une bonne vingtaine de minutes de trajet en bus. Et j'en aurai ensuite encore pour une bonne dizaine de minutes de trajet à pied pour rentrer chez moi. Donc, ce que je vous propose, parce que maintenant vous avez quand même une petite idée de tout ça, et puis puisqu'il va être temps de clore ce premier vlog, cette première vidéo, je vous propose de nous retrouver une fois que le trajet en bus sera fini, et comme ça je vous parlerai un petit peu aussi de la suite des événements, des prochaines vidéos qu'il pourrait y avoir dans les semaines qui viennent sur la chaîne, sur cette chaîne principale, qui, parce que ça va devenir la chaîne principale, et Pop Culture Land deviendra la chaîne probablement secondaire. Dans le temps, en tout cas, c'est l'idée. Donc je vous retrouve dès que j'ai fini de me farcir le trajet en bus. À tout de suite. Et il est donc à 17h50 et on se retrouve pour la fin de ce vlog. J'ai encore un peu de marche à faire avant d'arriver à l'appart. Du coup, j'en profite pour vous dire que, alors comme je vous l'ai dit, je suis pas à l'aise avec ce genre de truc. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour le référencement sur YouTube et puis parce que ça encourage à continuer aussi. N'oubliez pas de commenter, surtout c'est ça que je recherche le plus, pour me dire ce que vous avez pensé de ce petit aperçu rapide de Rennes. Il y en aura d'autres, hein. Ce sera le premier vlog d'une longue série. Donc au moins un par mois a priori. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo et puis d'aller aussi sur ma chaîne Pop Culture Land. D'ailleurs normalement je devrais enfin réussir à finir la publication du let's play sur Horizon Zero Dawn. Alors je l'ai déjà expliqué dans une vidéo le pourquoi du comment c'est aussi long. Donc n'hésitez pas à checker un petit peu mes réseaux sociaux. Et puis je voulais vous dire aussi que il y a pas mal de choses qui vont bouger pour moi dans les semaines et mois qui viennent, et ça fera autant de sujets de vidéos, parce que ça va bouger sur plein de plans, sur le plan forcément financier, sur le plan social. Donc ça devrait être assez cool de pouvoir aborder certains sujets. Sur le plan physique aussi, pas mal de choses qui vont changer, je l'espère. Je vais faire de mon mieux pour, en tout cas. Et puis dans la foulée de cette vidéo, il y a la critique de Doctor Strange 2 qui devrait arriver. Alors à l'heure à laquelle je tourne ce plan, c'est-à-dire le samedi en fin d'après-midi, pour l'instant il faut que je tourne la critique, que je la monte, etc. etc. Donc ça devrait arriver à partir de lundi sur la chaîne Pop Culture Land. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis ma foi, retour à la case départ. Et sur ce, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao.